Alors, on est le deuxième jour. Là, j'arrive à Celaya. C'est le judo club de l'état de Guanajuato. On va faire parler la poudre aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est une petite boulangerie, c'est 6h du matin. Et donc tu viens chercher tes petites brioches. Donc là, c'est 6h du mat, je viens de finir mon petit footing, je viens de passer à la petite boulangerie mexicaine. Et c'était très sympa de courir là dans San Miguel de Allende. Bon, les rues sont un peu pavées, c'est vrai que c'est pas super évident, mais ça reste quand même très agréable parce que c'est une ville historique, conservée. Il n'y a pas beaucoup de voitures parce qu'il y a beaucoup de zones piétonnes. Et en plus de ça, le matin là à 6h, c'est les sorties un peu des bars et tout. Il y a quelques stands de tacos, c'est très bon enfant. Et donc là, je vais aller manger un petit bout et c'est parti pour le judo dans 2 heures. On tient la forme, on tient la forme. Alors, j'arrive à mon deuxième jour de camp d'entraînement. Donc ce matin, j'ai déjà commencé par un petit footing, comme vous avez pu voir. Et j'ai quelques petites douleurs là au doigt de pied là que je m'étais pété il y a maintenant 6 semaines. Donc je vais strapper tout ça. Et là j'ai un peu les doigts un peu enflés, un peu brûlés, mais ça va aller. Et super motivé. Bon, là c'est mon dernier jour dans l'état de Guanajuato. Et on est parti après pour des nouvelles aventures. Mais avant ça, on va aller faire parler la poudre. Et on va aller faire ce qu'il faut. Ah, j'ai quoi? J'ai 2-3 heures d'entraînement. Ça va faire du bien. Je vous tiens au courant par la suite. Glace artisanale, tout en douceur et légèreté, chocolat, et ça a l'air pas mal. C'est pas du tout le chocolat qu'on connaît des glaces franchement industrielles ou là tu sens vraiment la saveur, c'est même pas couleur noire ou plein de sucre, vraiment délicieux. Faut goûter. Yeah!
de cao. De los orígenes son del año 1540-42, cuando los indios chichimecas peleaban con los frailes. Los frailes venían de acá de Michoacán y entraron acá por el Bajío. Aquí adelante donde está la ciudad de Celaya, como vos, es una puerta que se llama la Puerta del Bajío. Ahí se suscitó una guerra entre los frailes españoles que venían y nos traían la imagen del Cristo, el Señor de las Maravillas. Okay. Y de allí empieza a hacer la guerra entre los chichimecas que vivían aquí en San Miguel el Grande. En el año 1545 ya se calma la guerra. Los chichimecas entienden a los españoles que lo único que querían es como colonizarnos, como decirnos de la cristianismo, que existía Cristo, la Virgen María. Nosotros no, nosotros creíamos en el Dios Sol, el Dios Luna, la Madre Tierra Tonantzi. ¿Y ahora por qué no siguen con esta cultura? Porque se quedó un pacto entre los frailes españoles y nosotros chichimecas. Quedó un pacto que iba a ser mitad y mitad. Nosotros, que dependemos de personas chichimecas, se quedó eso del pacto. Que íbamos a adoptar el cristianismo, pero sin abandonar nuestra cultura, nuestra tradición. Por eso somos personas que seguimos con este ritual, con esta tradición, con esta costumbre. ¿Y cuando se casan hay una...? Sí, hay algunos que se casan normalmente a la iglesia. ¿Sí? Y después hay otros que se casan y le llamamos el amarre de tilma. Okay. Se hace una ceremonia también en la noche, en lo cual la mujer y el hombre van vestidos de blanco, como se puede decir, como ese blanco. Okay. Para hacer el amarre de tilma. Okay. También puede hacerse así. Muchísimas gracias. ¿Pero vas a bailar o no? No. ¿Por qué? Porque no bailo bien. Yo soy peleador. No. ¿Eres bailo. ¿Qué? Peleador. ¿Cómo que peleador? De judo. ¿En serio? Sí. Yo quiero una foto contigo, pero no tengo mi celular conmigo. Yo como jefe de esa tribu, voy a su jefe, a su grupo de él y quiero... Ahora es que, por ejemplo, vengo a hacer la paz, vengo a hacer la amistad para hacer una conquista y convivir. Okay. Y quedar en un acuerdo. ¿Y pelearon los españoles juntos o...? Sí, ellos sí pelearon con españoles. Ellos sí, igual que nosotros. Okay. Pero ellos pelearon lo que fue del norte, no del sur. Del sur éramos más aztecas nosotros que ellos. Okay. Por eso ellos vienen con esa combinación que viene del norte. Sí. Muchas gracias. Gracias, jefe. Gracias. Sí, ¿cómo ves? Ah, es para mí. Sí. Gracias a mí. Eso es una verdadera de cabeza, sí, de pollito. Era un pajarito que se murió. Y dije, ¿qué hago con mi pajarito? No, dije, lo voy a poner aquí de recordarlo. Para recordarlo, mi pajarito. Se me murió. Hasta luego. Mándame.
forcément, il fait chaud à Guanajuato. Alors, petite glace chocolat mangue avec un cône artisanal. Ma voix, ça va un petit peu mieux, mais la bronchite, ça m'handicape encore, surtout pendant les combats. Et ça m'empêche en fait d'être bien oxygéné, tonique et explosif. Mais je sens que ça va s'améliorer. Next stop, Chiapas. Alors, le trip dans l'état de Guanajuato arrive à sa fin. Et je vais vous présenter maintenant la façon la plus confortable de voyager au Mexique, même pour des longs trajets. Donc, c'est une compagnie de bus qui s'appelle ETN. Et en fait, les sièges, ils sont tellement larges, tellement confortables, avec inclinaison maximum, levage de pied, écran tactile pour charger tous les appareils électroniques, avec en plus de ça le Wi-Fi dans le bus. Et ils te font un service aussi avec de la bouffe, c'est inclus dans le billet, boisson et tout, c'est vraiment top, top. Je vais vous montrer ça quand j'arrive dans le bus. Et donc là, par exemple, pour faire, on a 4 heures de bus et c'est à peu près, c'est dans les 20, ouais, 15-20 dollars quoi. Donc ça reste super honnête.